Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle coque Apple de chez Proporta, coque avec le drapeau américain. Donc je suis Manu de mon iPhone 4 qui est jailbreaké sous le firmware 5.1.1, c'est pas très utile. Donc voilà, la coque a été achetée et livrée ce matin, donc je vais procéder au déballage. Voilà pour le déballage de notre coque des États-Unis. Alors on l'ouvre précautionneusement, comme toute chose doit être ouverte. Elle est un peu compliquée, voilà, j'ai réussi. Je l'ouvre avec délicatesse et propreté, mes mains nettoyées au sif. Alors cette coque, je pense, est de très très bonne qualité. Les couleurs sont bien respectées, il n'y a pas de marque, de logo dessus. 51 étoiles, je les ai comptées auparavant sur le site internet. Vous pouvez remarquer un effet sale au bout de la coque, là où il y a le headphones, et sur la prise carte SIM. Alors, un très beau bijou, je vous le recommande. En plus, qui va très bien avec un jailbreak, un thème qui se nomme et qui se prénomme USA. Alors, vous pouvez mettre une photo sur le lock screen, ça fera effet. Et en plus, avec le TV show, c'est parfait. Alors, c'est super bien. Alors cette coque coûte 15 euros chez votre marchand de journaux, 17 euros au Apple Store et 30 euros sur le site Apple Store. Sinon, je peux vous la revendre à 52 euros. Une bonne affaire. Alors le test, nous allons appliquer cette coque à l'iPhone avec précaution et naturel. Je m'amuse beaucoup avec cette coque. Alors regardez, c'est plein d'utilité. Je l'applique avec précaution. Et voilà la coque mise. Super belle, super. C'est chic, ça protège l'écran. C'est du solide. Et si, voilà, regardez, je le lâche. Vous ne voyez pas, mais c'est une hauteur. C'est très très haut. C'est entre 30 et 40 mètres. Je n'ai pas encore calculé la distance. Si vous avez un impact sur votre glace, vous appelez Carglouche. Carglouche va vous le réparer immédiatement. Alors regardez, la coque en beauté. Et en plus, ce n'est pas le cas avec toutes les coques, mais l'iPhone se rallume tout de suite. Il n'y a pas besoin d'un respring sous le firmware 5.1.2. Oui, parce que nous avons la toute dernière version. Et voilà, il se déverrouille. Regardez ce beau thème qui s'applique parfaitement aux couleurs de l'armée des États-Unis. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos des films ici, ici et ici. Et je vous rappelle que cette coque vaut l'achat. Vos collègues, vos amis, tout le monde vous en parlera bien. Et celui qui vous en parlera mieux, c'est vous.